Dans les rues de Dakar, les chats errants sont omniprésents. Ils rôdent autour des poubelles et des restaurants au quotidien pour survivre. S'ils ne trouvent abri généralement que sous les voitures ou même dans les universités, certains chats sont bien logés dans des familles sénégalaises. Ça a commencé avec une histoire de souris. J'avais des souris chez moi et je ne savais plus comment faire pour m'en débarrasser. Et donc j'ai eu l'ingénieuse idée de ramener un chat chez moi et ça a été la solution miracle. Et depuis, je ne peux plus vivre sans chat. Elle traînait dans le quartier et puis on a vu que quand on était là, elle s'approchait de nous. Alors quand on l'appelait, elle s'approchait. Bon, on s'est dit que sûrement, elle vient sûrement de nos familles et qu'elle a fui ou quelque chose comme ça. Donc petit à petit, on lui donnait à manger, elle venait vers nous, elle se frottait à nous, elle a vu qu'elle était gentille, on l'a gardée. Au-delà du confort dont ils bénéficient en intérieur, ils vivent une véritable histoire d'amour avec leur propriétaire. Ça m'apporte beaucoup de bonheur, de bien-être. Et c'est un excellent anti-stress. Ouais. C'est juste par plaisir, on le garde. C'est comme un petit, on va pas dire comme un enfant, mais oui, c'est comme un petit enfant. On le garde, on s'occupe de lui. Et puis l'amour qu'on lui donne, il nous le rend. Donc ça fait plaisir. Je ne peux plus vivre sans chat parce qu'ils sont hyper affectueux et franchement c'est agréable de vivre avec, tu les sens pas et ils sont adorables. Si la cohabitation avec ces boules de poils est facile, c'est aussi grâce à leur propreté. Les chats d'intérieur se servent de ce bac pour faire leurs besoins. Ils vont tout seuls, c'est inné chez eux. Ils savent qu'il faut qu'ils aillent dans leur litière, ils font leurs besoins dedans. Bon, une fois par jour, on ramasse les pipis, on ramasse les caca. Et puis, une fois par semaine, on lave le bac à l'eau de Javel. Des mesures d'hygiène sont nécessaires. Le contact direct avec les excréments du chat peut présenter des risques si l'animal est porteur de certains parasites. L'essentiel, c'est de miser sur l'hygiène du chat, de vacciner, de déparasiter les chats. Souvent, on dit tous les 3 mois, il faut déparasiter son chat. Et la contre la toxoplasmose, même, ça nécessite le déparasitage. Et également, il y a l'échinococcose, une autre maladie parasitaire, qui peut être transmise aussi par les fesses du chat. Donc là, on dit de déparasiter les chats pour éviter quand même les risques de contamination. Une telle relation avec ces animaux de compagnie est hors du commun au Sénégal. Dans leur entourage, Sorma et Oumou paraissent. Très bizarre même parce qu'ils se disent « Oh le Moki, oh le Motobabi », genre en mode comme s'il n'y avait que eux qui avaient le droit genre, d'avoir des chats. Quoi. Dans leur tête, on ne doit pas traiter un chat comme on traiterait un être humain. C'est des Motobabi. Ou bien certains disent que ce n'est pas bon, ça peut transmettre des maladies. Un an avec Maya, je n'ai rien à signaler. Au Sénégal, si je peux me permettre, on a l'habitude de penser que ce sont les moutons, les poules, les animaux qui ont une certaine utilité, entre guillemets. Les moutons pour la viande, l'argent que ça rapporte, les poules pour les œufs. Alors qu'un chat, on ne peut pas le manger, donc on ne va pas s'en utiliser. À côté de ces chats en bonne santé et bien nourris, ici, les chats ne cessent de se reproduire. Quelles que soient leurs conditions de vie et celles de leur progéniture.